Allez, le bac 2 qui est déjà plus costaud. Contient le châssis, les chasse caisse, tout le train avant en fait, globalement. Et le magnifique châssis qui est vraiment une belle pièce. Lyon T6, je pense, usiné. C'est belle, c'est beau, c'est beau. Et de l'autre sachet, il nous reste cette pièce-là. Ça commence. Déjà, premier sachet, on perd tout. On perd ou on trouve des choses. Bon. Allez, on va bloquer. On va mettre notre support de direction. Oh, jolie veste. Regarde, 13 grammes. C'est beau, ça. Ça, c'est beau, hein. 13 grammes. T'imagines ce que ça gagne? Non, mais... C'est super. Ils allègent pour... Oui, ils allègent pour pouvoir le choix d'alourdir. C'est ça, en fait, hein. Le fait d'avoir d'être très léger, c'est que tu choisis où mettre ton poids. C'était tout l'avantage de ça. C'est de pouvoir choisir où mettre ton poids. Alors là, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Voilà, la clé vise d'un coup. Voilà. Donc c'était mieux rangé sur le kit Charisma. Hein, ça, je vous le dis. Il y avait tout dans les petits sachets. Voilà. Alors, les 3 par 16. Donc, sois pas con. Voilà, on a les petites encoches qui viennent se mettre dans le micro-trou du sachet avec un énorme kick-up. Voilà. Et alors attends, maintenant attention. The two bucket setting, donc 30 degrés et 25 degrés. Donc si 25 degrés, j'imagine que 25 degrés, qu'est-ce que ça change ça? Ah ouais, ça doit être l'angle des triangles, des axes des triangles. Hein, par rapport à cette ligne là. Plus ou moins penché. Oui, elle est pas assez un trapèze ici. Donc on dit que the arrow should point forward for the desired setting. Donc ça veut dire que la petite flèche là, hein, il faut qu'elle soit devant pour dire. Donc là on a pris du 25, on va prendre. Moi je suis bête et méchant. Il y a un saut qui me dit de prendre ça, moi je fais ça. Hein. Voilà, on va prendre notre petite. Truc magique pour voir si c'est bien les 12. C'est les 18, Nico, t'as fumé quoi. Voilà, 12. Ok, 2. 2, c'est celle de l'arrière. Belle qualité de visserie, correct. On va voir dans le temps ce que ça dit en termes de vieillissement. Voilà. Les très tôt sur le châssis, hein, avec Timasso. Très très tôt. Et directement, ouais, c'est étrange, hein. On est vite, vite, vite dans le truc. Oh, il y a une biellette, oh, ça y est, il y a une biellette, putain, j'ai craqué, oh. Il y a une biellette, oh. Alors là, on va faire les côtés caisses. Côtés caisses. Après, voilà, c'est encore une fois, c'est... Hein. Mais ça, c'est vrai, l'effort est commun, ça semble être bien sans trop de traces. Tac, côté caisse. Bam. Alors, on est avec 4, putain super, 4 fixations en 3 par 10 devant et 5, 3 par 8 derrière, super, 1, 2, 3, 4, ok, c'est les 4 premières et après...
Donc on a dit combien? 3 par 10 devant et 3 par 8 derrière. Alors ça c'est 3 par 8. Ça c'est 3 par 12. 3 par 10. 3 par 8. 3 par 10. Non, 3 par 12 aussi. 3 par 12 ça doit être pour finir le train avant. Ou alors je me suis gouré dans les... Ou alors je me suis gouré, c'est possible aussi, j'ai mis du 3 par 10 à deux devant. Tu vois? Ouais. C'est possible. 3 par 8, donc là on a bien 5, il nous manque... Bah oui, ça doit être ça Nico, hein. Non. Hop. Une... Et non, c'est juste. Ah, c'est juste, mon ami. Les 3 par 8, les 3 par 10. Donc j'imagine qu'il veut renforcer un peu la fixation de la partie avant sur les côtés rails. Bon, ça, c'est super. Ah, le plastique est vraiment, vraiment de bonne qualité. Hein. On sent bien le serrage. Dites-moi quoi, si... Dites-moi si vous voyez rien. Ah! Oh! La coquine! Et après, normalement, les trois. Sauf qu'ici, on doit mettre quelque chose, c'est pas ça. Pourquoi ici, une petite encoche? Non. Et on continue par 3. 3 par 8. Ah mais c'est 3 par 16. Putain, moi j'ai fumé quoi. Attends. Là, je suis en train de faire des conneries là. Il n'y a que deux, mais pourtant il y a le même nombre de trous. Gros beau. Non, là, je pense qu'il y a. Là, c'est pas, c'est celui-là, là où ça doit pour aller. Excusez-moi, je me rechange. Ça m'arrête quand même super bien serré. Ils sont bien couples. Franchement, c'est bon plastique. J'ai mis l'arrondissement. Les 3 par 16, Nico, qu'il fallait mettre. C'est pas les 3 par 12. C'est les grandes. Une petite boulette. Ma faute, mal lu. Tu vois comme quoi ça peut aller vite.
pas pourquoi. Ils le mettent pas. Encore. Voilà. Hop, on va coller. Alors, les collages des mousses, on fera après en fonction de la position de l'enfance. Oh, je déteste ça. Elle est où? Partout, ça, oui, c'est pour ça qu'ici j'ai pas mis la deuxième. Ça sent la boulette, tu vois. La boulette, sauf que tu n'as pas tes violettes. Alors, elle est où? C'est pas là. Ça, c'est la barre anti-roulis. Le poids, toc. Est-ce qu'il faut encore aller? Il faut aller chercher dans un autre sachet, tu crois? Non, pas fait ça, Timasso, quand même. Support de cerveau, t'as pas fait ça quand même. Steering wheel are mod with the shocks ends. Super. Thank you. Bon, moi, ils te le disent. Take this to the back nine. Yep. Back nine. With the quoi? Ah oui. Avec mon super chaussée de billette. Tu vas voir, c'est le back nine. Ah, oh, la vache. Back nine, hein. Yes. Un peu couillé. C'est un peu touillon. Et je pense que je vais regarder les trucs. Voilà. C'est là-dedans. Rouvrir un sachet. Deuxième sachet. Et rouvrir un sachet. Ah la vache. T'es sûr, ça c'est? Alors, c'est lesquels? 7 screws. J'ai 7 screws. C'est pas ça. Et ils te disent pas où ils sont les... Ils sont les petites boules ou quoi? Ranger ça. Ça commence à être le bordel, là, hein, déjà. Attention, tightened the steering link back up at the weld tightening. Je tightened. Voilà. On est bien là. Ça c'est fait. Ensuite, le cerveau. Cherchons le cerveau.
commence à en avoir partout les gars. On va lui mettre un mode. La Zolicorne. Alors ça vient avec la vis de côté. Il est beau hein, GX Servo. À la partie, il n'y avait plus de batterie. Hop. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas le... Ça, c'est bizarre, ça. Une vis de fixation de tête. Superbe, un joli petit cerveau, j'adore. T'as vu comme c'est beau? C'est beau, hein? 38 euros, 35 euros, je sais plus. Dans ces eaux-là. On va déjà le faire comme ça, pour qu'il prenne sa place, et on sait très bien que de toute façon, hein, ça va revenir après l'allumage. Box. Mon chien qui pique, qui fait les poubelles. Mauvaise habitude. Mais non, plus elle fait du bruit. Oh, elle m'épuise la chienne. On va pas tout l'occulter, c'est juste pour le positionnement, parce que de toute façon, je pense que. On fera le nœud plus tard. Donc après, servo horn ring. C'est quoi ça, servo horn ring? Oh, regarde, ils sont zo. Ils font les choses bien chez Timasso. Ils te mettent même un truc bleu. Alors ça c'est trop choupinet. Regarde comme c'est joli. C'est trop beau, regarde, j'avais pas vu. Ils te disent de mettre ça avant. Comme ça, ça fait tout joli. Ça t'évite d'avoir un écart. Regarde comme c'est joli. C'est beau, tu trouves pas? Moi je trouve ça magnifique. Ça fait tout joli, je reste dans le thème du bleu. Tate. Ou alors je mets la 3, ouais, je vais mettre ça parce que j'y crois pas trop, voilà. À l'hexagonale, là, j'aime pas bien ça. À la Russie, ça fait un peu tachote. Je suis d'accord avec toi. On va mettre la petite de trou. Comme ça on est bien là, on est bien. Ensuite là, alors on va juste regarder à peu près par rapport au comme plastique fourni, quel trou on met. C'est plutôt le premier. Bien regarder quand ça dépasse bien, c'est quand même bizarre. Si ça, donc voilà, tu pourras le couper. Hein. Mais si c'est un
si tu n'aurais pas ton quasi ton truc de cerveau. Voilà. Ensuite, les supports cerveau. Les supports cerveau. Save amount. Ok. Ils sont où? Ok. Moi, je veux bien les servomonts, mais ils sont où? Ah, c'est les petites pièces à lui. Tu vois, des fois, on se rend pas bien compte. Des pièces, on les cherche. En fait, elles sont devant toi. C'est juste que c'est à lui, chef. Donc, il faut mettre du frein filet. Je l'ai vu tout à l'heure, mon petit frein filet. Il est là. Alors, on va mettre les trois et des petites rondelles. Alors, tu vois, là, je fais mon petit massot. Tu vois, j'aurais bien aimé des petites rondelles bleues. Avec 3 par 8. Là, il met ça direct. Some servo spacers are not required for all servo. Yes. Oui, on va checker. Petite pince, gros droit, petite pince. Tic. Voilà. C'est l'avantage quand t'as fait un peu de résine dans ton garage, c'est que sur le béton ça se voit bien. Que je suis pas centré du tout, depuis tout à l'heure vous voyez rien. Il dit le Nico, il a complètement fumé la baraque. Ce que ça dit. Ben nous on ne récupère pas de spacers plus que ça. Normalement on devrait y arriver. J'ai hâte de voir ce que donne ce petit cerveau là, parce que quand tu regardes le prix en France des cerveaux low profil un peu rapide, ça tabasse. Ça y est, j'ai mis du bleu. Ça y est, j'ai mis du violet dans le mani. Il adore ça, le violet. En plus, il va me... Il a là, je vais me faire ronder. J'ai mis du violet dans le mani blanc.
pas mal là. Ensuite, on met des 3 balises. 3 balises. Ils sont là. J'imagine que ça se met comme ça. C'est pas très conventionnel le l'angle là. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Peut-être quand même. Alors j'ai pas vu si. Ça me plaît pas trop ça. Peut-être là que le spacer permet d'avancer la corne, d'avancer le cerveau pour avoir un peu moins d'angle, mais tu n'arriveras pas à rattraper ça comme ça. Hein. Ça c'est sûr. Allez. Déjà mettre les spacers alors. Allez, je te quitte là, je vais te mettre les spacers. Les spacers, c'est des petites. C'est ça là. Pour histoire d'avancer un peu le cerveau, j'imagine. Et d'atténuer un peu cet angle là qui me plaît pas trop. Et après, on continuera par le train avant. Et du boulot. Allez, à plus.